I'm gonna go to the bathroom.
pas bateau. Et tu dis oui, yes. Mais il m'a fait coucou. Tu n'as ni cas. N'a topé moins moins. N'a pas de wenge. Bateau baisse. Mais il m'a fait un coucou. Bateau baisse. Mais il m'a fait un coucou. Bateau baisse. Mais il m'a fait un coucou. Bateau baisse. Mais il m'a
Ngibil mo, mana? Bobale bo, ngondiyong inkohin lom. Alam ba kini jom? Leburwaso ba yibi jom ba check jom? Bambombo. Yeah. Ah, bambombo bangkong. Imo mana me di poko metama le menyomo metama. Abulongo ba sogo sogo. Yango na neburu bang tarnye nuna kohuandelen. Tara emu le barje itera kakujuje. Men kuhul morgmana e mama bakibe ngond namien anti me morgmana bambombo eh bambombo eh bambombo eh bambombo eh ngolong nyesele bale ngarama me yidi yimi me weme yipe nduara mihma ne hime we lovely ya we ha we ganu len kenyo le unkene riondi unogo bendo mwon wate meto me yenkugi Bambombo! 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 Mele unkenyo ndi konu bagwenye jam ki bo to wale pempem ye karapcha Me benye ki balbosi Bois. Donne à qui de droit.
Mes frères, quand on jette son filet dans l'eau, on ne sait pas d'avance ce qu'il va rapporter. Quand c'est un lamantin, c'est toute la collectivité qui s'en réjouit. Et il n'y a pas de lamantin plus gros qu'une fille à marier. Je ne sais pas si le prétendant sera à la hauteur, car j'ai beaucoup souffert pour épouser la mère et élever la fille. Vraiment trop de problèmes pour une seule personne. Les impôts ont encore augmenté. Cette année plus encore, et mes pêcheurs ne rapportent presque plus rien à cause des bateaux de pêche des blancs qui viennent nous disputer le plat du fleuve et dire que ce sont nos propres frères noirs qui favorisent cet état de choses et nous réduisent ainsi à la misère. Et les prix qui ne cessent de galoper. Pour 2 kilos de poisson, on ne peut même pas s'acheter 1 kilo de riz. Sans compter des taxes innombrables. Et maintenant, Gando qui veut se marier. Comment lui faire comprendre qu'il me faut absolument un enfant avant? Donc une 5e femme. En tout cas, cette fois, il me faudra prendre une très jeune vierge. Surtout vierge si je veux mon enfant. Mbella, tu as bientôt fini. Oh là là, on ne peut plus tranquillement vider son ventre. Écoute, moi je suis pressé. Cesse donc de me causer, ça m'énerve. Moi aussi ça m'énerve d'attendre. Quand ils vont manger? Ah, ça va, ça va. Maintenant, je ne peux plus rien sortir. Je suis énervé. Dis donc l'amoureux, tu as le feu aux trousses ou quoi? Si c'est toi que nous m'attendais, c'est parce aux trousses que tu l'aurais le feu. Tu n'es pas prêt d'éteindre le tien, mon frère. Oh, je ne suis pas pressé pour ça. Dis plutôt que c'est un mais qui n'est pas pressé. Elle tient à exhiber son honneur sur un drap blanc taché de son sang. Et surtout parce que pour que cela arrive, il te pourrait d'abord verser une dot colossale que tu n'as pas. Ah, je l'ai la dot, mon cher. Tu n'es pas sérieux. Comment as-tu fait, mon frère? C'est mon oncle qui me la donne. Vieux con, il a promis. Ton oncle, tu es fier que ce soit ton oncle qui t'achète une femme? Y a-t-il moyen de faire autrement? Tout ce que je rapporte appartient à la famille. Il est placé sous son autorité en tant que chef de famille. Et ceci jusqu'en majorité, c'est-à-dire jusqu'au jour où j'aurai une femme et un foyer à moi. D'autre part, c'est mon oncle qui a hérité de tous les biens de mon père, ma mère, sa seconde femme, et moi compris.
à boire. Vous m'entendez-vous là? J'ai dit à boire. Tu es fatigué, hein? C'est toujours comme ça quand on s'intéresse à une femme. Regarde les miennes. Je me suis fatigué pour elles. Dépenser mon argent pour les épouser. Et pour quel résultat? Elles ne sont même pas capables de me donner satisfaction. J'ai 4 femmes. 4 femmes sans un seul enfant. 4 femmes stériles et sorcières. Regarde comme elles me regardent. Je suis le dernier des hommes, mon petit. Oncle, c'est donc aussi important un enfant. Pourquoi crois-tu qu'on se marie? Aussi puissant soit-on, sans enfant, on n'est rien. L'enfant, c'est tout. Un enfant. Si seulement je pouvais avoir un enfant, moi aussi. Un enfant. Et voilà à quoi me réduit cette sorcière. Allez, venez tous ici, espèce de nullité. Enlevez-moi ça et vite. Incapable. Regarde-moi ça. Je l'ai épousé moi-même, stérile. Celle-là, c'est ton père qui me l'a acheté. Idiote et stérile. Ça, c'est la calamité personnifiée. Infidèle, idiote et stérile. C'est l'héritage de ton père. Comme ta propre mère devenue aussi improductive. C'est donc normal qu'il me restitue ce que j'ai de droit. C'est une obligation en tant que chef de famille. À dire vrai, je n'apprécie pas beaucoup. Ceci lui donne tout naturellement le droit de regard sur ton ménage. Ah ça, jamais. Tu ne pourras pas y échapper. La femme la première te le ferait comprendre. Une femme appartient à celui qui verse sa dot. Tu ne pourras donc pas la répudier sans le consentement de ton oncle. Ça, jamais. Jamais. Ndoumé, c'est ma femme. Et je ferai ce qui me plaira dans mon ménage. En tout cas, je n'en suis pas encore là. Ce qui m'intéresse présentement, c'est d'épouser Ndoumé. Peu importe les moyens. Hé, hey, mon frère, tu as vu aussi? Quoi? Je l'ai vu. La seconde femme de ton oncle. Je l'ai vu là avec un homme. Je l'ai vu avec un homme. Envolés. Pourtant, je les ai vus ici en train de... Quelle pourriture de femme. Elle va encore se faire tabasser aujourd'hui, celle-là. Ça, c'est pas mon problème. Les femmes, elles coûtent si cher. Pourtant, elles ne valent pas un sou de confiance. Elles sont toutes... Arrête, veux-tu. Qu'est-ce que je dis encore de mal?
Écoute, Mbella. Je ne suis pas l'espion des femmes de mon oncle. En dehors de ma mère, la seule femme au monde qui m'intéresse, c'est Ndomé. Et je ne permets pas qu'on la traite de quoi que ce soit. Maintenant, je te permets de me laisser aller seul à sa rencontre. Mon très cher oncle, j'ai le plaisir de te présenter celle qui a la prétention de devenir ma femme. Mademoiselle Ndomé. Salut là. Oh, mais salut donc mon oncle. Salut-le donc. Approche. Et avance. Non, pas comme ça. Avance. Oui. Et doucement. Bon, baisse timidement la tête. Car n'oublie pas que malgré son jeune âge, il a 4 femmes. Approche. Lui, il se lèvera de son fauteuil. Te tirera vers lui, t'examinera. C'est ce qui est arrivé à ton oncle s'il me touche le derrière. Eh bien, dis donc, si mon oncle ressent une telle gifle. Je lui conseille pas de toucher par là. Ça me fait quand même quelque chose de rencontrer ton oncle. Déjà avec ta maman, je me sentais toute drôle. Oh, maman est une femme extraordinaire, n'est-ce pas? Et bientôt, elle sera aussi la tienne. Ah oui, ce serait merveilleux. Et je crois qu'elle et moi allons nous entendre très bien. Seulement, elle t'aime un peu trop. Non, mais je n'aimerais pas beaucoup partager mon beau mari, même avec sa mère. Eh bien, dis donc, après tout, c'est ma maman, hein? Et alors? Et alors, je te pose ici. Non, non. Si, je te pose ici. Ah non, tu vas mouiller ma robe. Je te pose ici. Non, non, non. Je te pose. Non, je te dis. Oh, écoute, hein, Gando, je devais à moi toute seule, hein. Tu entends? Aïe. Tu te fais mal, ma chérie? Oui. Très mal, c'est mon pied gauche, c'est pas bon signe. Ah, tu as toujours été pessimiste. Montre-moi.
C'est pas grave. Pando menune. Sola qui s'est dit so soon. N'a bien goussa mieux d'yo baï se mou. Oh, j'a sonye songo. Ando, Ando, ndo. Sisia so. Ah, sisia. Sisia mbambasan. Ya so mbambasana. Oui, je l'ai giflé et c'est bien fait pour lui. Oui, mais après cette gifle, plus question qu'il me fournisse ta dot. Hein? Il me faut me débrouiller tout seul à présent. Il sera très long. La vie, Ngandou, je t'attendrai toute la vie. Tu sais, je plains beaucoup mon oncle. Il n'a pas d'enfant. Moi, je t'en donnerai plusieurs. Dans ma famille, les femmes font beaucoup d'enfants. Ma mère en a fait 6. Je suis la seule fille. Combien en voudras-tu, Ngandou? En tout cas plusieurs, mais attendons d'être mariés. En attendant aussi, nous travaillerons ensemble pour réunir ma dot. On y arrivera. On s'en fout de l'argent de ton oncle. Thank you.
Ton oncle est con. Les parents de Ndome sont cons. Et plus cons, ceux qui ont inventé la coutume de la dot, sans oublier ceux qui l'acceptent. Je suis con moi-même, parce que je ne peux pas changer cela. Voilà donc à quoi tu es réduit. Couper du bois pour pouvoir m'épouser. Tu es épuisé, n'est-ce pas, mon chéri? Pourvu qu'il ne soit pas inutilisable lorsqu'il m'appartiendra. Je me crève au travail pour toi, ma petite, mais tu en vaux la peine. Tu savais combien je suis peinée de te voir te tuer au travail ainsi. Je dois cependant avouer que je suis fière que tu le fasses pour moi. Et si je t'apprenais que ces deux bâtons de manioc et ce poisson, je les ai volés à ma mère. En tout cas, gare à toi si un jour tu regardes une autre femme que moi. Six coups pour toi, six coups pour moi. Sept coups pour toi, sept coups pour moi. Où est-il en passé? Nous rentrons. Gando.
Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Domé représente pour moi le seul salut d'avoir un enfant. Veux-tu deux femmes en remplacement? Renonce à elle, sinon je te déshérite. Tu peux répondre quand je te parle. Au fond, tu n'es qu'un égoïste. De toute façon, tu ne l'auras pas. Mon petit, la femme est comme un épi de maïs que croque celui qui a des dents. Trouveras-tu 100 000 francs en espèces, 4 caisses de whisky, 20 chèvres, 10 damejeanes de vin rouge de 20 litres chacune, 5 sacs de riz de 100 kilos chacun, 15 bouteilles de rhum Saint James grand modèle, une pirogue de 7 mètres, 60 sacs de sel de cuisine de 18 kilos chacun, 30 kg de tabac en feuilles, 25 coupons de tissu imprimé de 6 yards chacun, 100 litres d'huile de Pâques, 3 tresses de gros savon de Marseille. Très moins cher marchandise, tout est à liquidation, mes chers dames, tout est à liquidation. Alors oui, monsieur. Ça là, c'est combien? Là, c'est 400 francs. 400 francs? 400 francs, oui. Ah, très joli, quand vous prenez celui en argent, alors... Oui, ça c'est combien? Là, c'est 300. 300? 300. Tu donnes 250. 275. Il y a quand même balai.
na matimbisele di sango eyo kipe upula dungula ponda na milimisan mibe utin mna mudu asanga mbene wande wo inabene viba dobila lunde ya diande na sangwa muna udia njika pata mutu ama bake no muna udia normele bale man manyumbe kimetabile amechilwe muna ya plamba mer muna nde usidimbiana ngonango nyende mbapitala asam ungusa kwedam amende sangwa mikusa mam na ndume pe kanete na sangu na mkusa anyangu mbusa kwedam na ngwa myamtudu ndume ke pensera tel kio ngwe la hongola Ibuango yin, nongo, osele wala dutia. Mutu ende kambasi, mbena asungande ademo. Ngando asibe ntolambu. Mbande nabalemo mutu. Ndi muna ngondume, etna otisina uwele bake mbamo uma. Ya diande mbunga wamene. Jonglini Jilini Ke hongol ki hongol Akil, men tu es yon. Voilà où est mère. Wapang, men tu es yon. Ils sont en train de voir. Ton bâle de jam. Akil, men tu es yon. Wapang. Alpoko, oui, les mots. Wapang, yom. Yonjo. Mais yonjo. Mais ça aurait les yon jo. Mais quand ouais les yon jo. Pas d'anarchie chez moi, hein? Il n'y a qu'une loi dans ce foyer, c'est la mienne. Il faut essayer de la comprendre. C'est entendu, oui. Tu vas la faire rentrer et tout de suite. Ndoume épousera qui je veux, un point c'est tout. Maintenant, va-t'en. Alors, c'est pour demain, vous deux là?
Ndome. C'est pour toi. Si tu la veux, apporte la dot. Domé, qu'est-ce que tu crois? Que je veux subir ta loi? C'est moi ton père et tu m'obéiras. Gando, prends-moi tout de suite. Quoi? Tu es folle? Sois réaliste, Gando. Ce n'est pas seulement pour toi que j'ai pris cette décision. Je souffre trop. Quand je ne serai plus vierge, ton oncle ne voudra plus de moi. Et mon père me donnera à toi un prix raisonnable. Il me battra et me maudira, mais j'accepte tout pour toi. C'est la seule solution. C'est très grave ce que tu me demandes. Et si nous partions? Où? Ils nous retrouveraient partout. Et sans dos, mes enfants ne t'appartiendront pas. Je trouverai la dot. Je le jure. Thank you.
Ces deux derniers mois, tu ne cesses de vomir. Or, tu n'as pas de verre. Je ne suis pas malade, maman. Cesse de me dire que tu n'es pas malade. Je veux la vérité. Je dois savoir la vérité. J'exige la vérité. Je suis ta mère. Maman, quoi qu'il arrive, sache que je ne l'ai pas fait pour te désobéir. Mais je ne pouvais faire autrement. Je suis enceinte. Hein? Quoi? Singando. Quoi? Quoi? Hein? Mais ton père va me tuer. Et toi aussi. Tu me couvres de honte, salope. Et c'est ça qui t'a rendu malade. J'ai honte d'avoir donné le jour à une fille comme toi. Tu es aussi une femme, maman. Tu devrais me comprendre. Je ne suis pas une femme comme toi. Moi, je suis arrivée vierge au mariage. Et pour cela, ma famille était fière de montrer ma vertu et mon honneur à tout le monde. Et pour cela, ton père et tout le monde me respectent. Gando sera fier de moi. Tais-toi. Aucun homme ne voudrait de toi comme ça. Ton Gando est un bandit qui dévergonde les filles. Il n'a même pas un seul sou pour sa dot. Nous la trouverons ensemble. Pour toi, je vais réparer cela avec un peu d'herbe. Bongo n'y verra plus que du feu. Jamais je n'épouserai l'oncle de Brando. Thank you.
Es-tu certain, Gando, de mériter cette femme plus que ton oncle? De vous deux, qui l'amènera à mieux s'accomplir dans la vie et à remplir pleinement son rôle dans notre famille? Gando, maudit le jeune qui manque de respect aux anciens. Ses propres enfants cracheront sur lui. C'est la loi de la révolte. Hier et aujourd'hui, quelle différence. Tout recommence demain. Écoute ta mère et tu vas m'obéir comme toujours. Je ne suis pas mort. Reconnais ma voix. Je suis ton père et je vis dans l'objet que tu touches, dans l'être qui t'approche. Ne pleure pas, mon fils. Le chagrin fortifie l'âme, mûrit et affermit le caractère. Trahirais-tu ton initiation? Sais-tu dans quelles conditions tu es mon fils? Gando! À ta place, j'aurais agi autrement. Comment? Mais partir très loin. Tu sais, c'est injuste tout ça. C'est vrai. Moi aussi j'ai envie de partir. Partir! Même de tout casser, tout foutre en l'air. Est-ce que cela me rendrait mon enfant? Et puis, il y a aussi ma mère. Que vas-tu faire maintenant? Je ne rêve plus que de le tuer. Hey, tu n'es pas une solution.
Mets-lui ça. Je te dis de lui mettre ça. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Dangudi. Sidimbe ya muti mungo Ohongea Beke mi somongo Mais tu es folle. Amène-moi avec toi. Tu es vraiment folle? Oui, mais je pars avec toi. Où veux-tu que je t'amène? Je ne sais pas où je vais, moi. Qu'importe, pourvu que nous restions ensemble avec notre enfant. C'est insensé, Ndoumé. Elle a raison. Tais-toi, Mbéla. Ndoumé a sa place au village auprès de mon oncle, son mari. Tu le sais? Oui, je le sais. Mais on ne peut supporter toute sa vie l'injustice. Nous avons toujours obéi. Il nous faut nous écouter aussi. Tiens. Partez, ne perdez plus de temps. C'est ce que vous auriez dû faire depuis longtemps.
nous ne reviendrons plus dans ce village. Ça, je te le garantis. Plus jamais. Oui. Tu te trompes, mon cher. On t'a eu, hein? Allez, donne-toi. Non, allez, non. Allons. Non. Allez, amenez-le au village. Allez, vite. Mais bien. Allez, vite. Oh, non. Amenez-le. Dimbe ya mutimongo ohunge ya leke misomongo singa elongasu osi dimbe ya mutimongo de la sou à mon tête les que sont moyens nous m'a pensé longue la sous laissé mais que moi au moins déjà n'ango déjà n'ango déjà n'ango de l'amboué. Dangle